Le Sénégal a perdu le 4 décembre 2018 un pionnier de la presse, un témoin des grandes mutations démocratiques de notre pays et un infatigable défenseur de l'islam, des libertés individuelles et collectives. 2 ans, jour pour jour, que disparaissait donc le président-directeur général du groupe de presse Wolf Adjiri pour lui rendre un hommage en souvenir au rôle essentiel qu'il a joué de son vivant. Le fans club du groupe Wolf Adjiri à Jigenshor a organisé ce vendredi matin un récital de Coran. Les membres de ce fans club décrivent un homme de vertu, pionnier dans la libération du secteur des médias au Sénégal. Nous avons un grand plaisir, content d'être là aujourd'hui pour rendre hommage à notre bien-aimé, notre guide spirituel, arraché à notre affection depuis 2 ans maintenant, qui est le fondateur du groupe Wolf Adjiri, Cheikh Sidi Lamine Niass. Nous, sympathisants du groupe Wolf Adjiri ici à Ziguinchor, nous sommes fiers de lui et nous sommes persuadés qu'il nous attend dans le paradis. Parce que c'était un homme de bien. Et depuis sa disparition, nous n'avons jamais cessé de prier pour lui. Et chaque mardi, nous formulons des prières pour le repos en paix de son âme. Et cela, depuis 2 ans maintenant. Chaque jour, nous prions pour lui. Car Sidi Lamine Niass a beaucoup fait pour nous. Et si nous sommes devenus des responsables aujourd'hui, au point que personne ne peut tromper notre vigilance, que ce soit dans le domaine politique ou religieux, c'est grâce à ce grand homme. C'est pourquoi nous ne pourrions jamais l'oublier. Sidi Lamine Niass a toujours fait preuve d'un sens de l'initiative, d'un courage exceptionnel, ont souligné les membres du fans club de Jigenshor. Sidi Lamine Niass a de son vivant véritablement marqué son temps. Il a été à la pointe de tous les combats patriotiques. 2 ans après cette disparition, le Sénégal, son pays qu'il a servi avec un engagement des plus rares, pleure toujours et encore son fils, le témoin actif des mutations et des luttes démocratiques de notre société. Jigenshor, Amadi Khalilou Djemi, pour la radio-télévision Wolf Adjiri.